Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est à la 43e édition du Festival des Ballons de Châteaudet. On va vous montrer un petit peu ce qu'on peut voir ici. On vous emmène avec nous, c'est parti. Capitale de la Montgolfière en milieu alpin, Châteaudet accueille depuis plus de 40 ans des ballons à air chaud du monde entier. Vol en montgolfière, compétitions sportives et journée des enfants rythment les 9 jours de festival. Le festival a lieu chaque année au mois de février. C'est l'un des plus grands et importants meetings aérostatiques d'Europe. Si jamais, n'hésitez pas à faire l'effort de prendre un tout petit peu de hauteur. Nous, on est monté ici jusqu'à la petite chapelle. Ça permet d'avoir vraiment une vue à 360 sur tout le spectacle, avec le village aussi de Châteaudet et les montgolfières dans le ciel. Ouh, je glisse. Je vous donne une petite astuce si vous voulez venir voir les ballons et être tranquille. Alors là, on parle de la semaine. Le week-end, je pense, c'est plus compliqué. Mais prenez avec vous une couverture, si possible étanche et assez chaude. Et comme ça, vous la posez dans la neige et vous vous asseyez juste là, sur le talus. Vous avez vu sur le décollage des ballons et sur tout le village. Après, vous pouvez aussi monter à l'église juste au-dessus, mais à mon avis, il y aura beaucoup plus de monde. Là, vous êtes assis à même la neige, mais la vue, elle est idéale. Bon, les démonstrations du matin, c'est terminé. Là, c'est midi, on va aller manger un truc. Il y a plein de choses à manger ici, c'est ça qui est cool. Vous avez soit les restaurants, vous avez aussi des food trucks. Et cet après-midi, ils vont faire encore des vols. Et en plus, si je dis pas de bêtises, c'est des vols où le ballon est accroché au sol. Et pour 5 francs, vous pouvez monter, voir ce que ça fait et redescendre. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a donné envie de venir l'année prochaine, à savoir que le festival a lieu une fois par année et ça dure environ 10 jours, c'est sur 2 week-ends et la semaine qui est entre deux. Comme d'habitude, on vous met toutes les informations dans la description, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de loisirs.ch pour continuer de découvrir la Suisse avec nous, et nous on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !